On y retourne. Suis énervé. Salut les frères et les sœurs de la côte. C'est Efik, cousin éloigné d'Hervé, mais confiné de près chez lui, qui vient vous faire dépotrouminer les informations. Car ce matin au petit-déj, le petit prince de l'Élysée a déclaré, je cite, c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. Il a ajouté vouloir, je cite encore, retrouver dès que possible des 1er mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation, chamailleurs parfois. Il dit avoir une pensée pour les organisations syndicales qui ne veulent pas tenir les traditionnels, qui ne peuvent pas tenir les traditionnels défilés, pour les travailleurs, pour les travailleuses. Une pensée, on imagine. Je cite encore sa conclusion. Nous retrouverons des 1er mai heureux. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Ah bah ça donne la patate, hein, la patate le matin. Hein. Et en plus, ce vendredi 1er mai, la fête du Muguet va aussi se tenir à l'Élysée, en petit comité. Aux côtés de sa femme Brigitte, le chef de l'État va notamment recevoir une dizaine de représentants de la filière horticole. Ça s'invente pas. Du coup, ça m'a énervé. Je vais pas attendre ce soir pour vous chanter la chanson du jour. Non mais... Enfin bref, je ne me retrouve plus. Allez. Société va peut-être changer. Président, usurier, spéculateur, ministre, sous-ministre, assureur, déconfinement il y aura, révolution il y aura. Et si le peuple tu méprises, gilets multicolores seront ta hantise. Alors si tu nous donnes rien, alors on lâchera rien. Signé Karl Masque. Allez, bonne journée, bon 1er mai.